La suite du procès des dirigeants indépendantistes catalans. Ils sont jugés à Madrid depuis ce mardi pour leur rôle dans la tentative de sécession à l'automne 2017. Ce deuxième jour d'audience a été marqué par les déclarations des procureurs de la Cour suprême. Ils ont rejeté l'idée que ce procès soit un procès politique, comme les avocats de la défense l'ont affirmé ce mardi. Supuestas vulneraciones se pretende transformar en víctimas de una persecución política. Leur but est d'ériger en victime d'une persécution politique des individus qui ont gravement violé l'ordre constitutionnel. Ils cherchent ainsi à mettre sur le banc des accusés l'État, celui-là même qui, pour faire face à cette agression, a eu recours au seul outil acceptable dans une société démocratique, à savoir l'application de la loi. Autre procureur à s'exprimer, Fidel Cadena, il a invoqué l'unité territoriale. Ce n'est pas à quelques personnes de décider ce qui appartient à tous. La province de Ségovie n'appartient pas aux Ségoviens. Pareil pour la province de Saragosse, pareil pour la Catalogne. Les provinces appartiennent à tous. Ce procès très attendu en Espagne doit durer près de 3 mois. Les accusés sont poursuivis pour rébellion et, pour certains d'entre eux, pour détournement de fonds publics. Ils encourent des peines de 7 à 25 ans de prison. Le grand absent de ce procès, c'est l'ancien président catalan, Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique. Les débats de ce mercredi ont été suspendus à la mi-journée et doivent reprendre ce jeudi matin avec l'interrogatoire de l'ex-vice-président catalan, Oriol Junqueras.